Donc vous avez fait le film Monique Pétral, Peindre Lascaux, Peindre la vie. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse du film, me parler de la rencontre avec Monique Pétral, comment ça s'est déroulé? Oui, bien sûr. Monique Pétral, je l'ai rencontrée, c'était pas un hasard. Je l'ai cherchée exprès, en fait, parce que j'avais vu Lascaux 2 et j'étais très impressionnée par son travail et par le fait qu'elle avait passé beaucoup d'années à faire ce travail. Et je lui ai envoyé un message sur son blog et elle m'a répondu 2 jours plus tard. Et donc nous avons pris rendez-vous. J'ai quitté Paris pour aller la voir à Marseille dans son atelier. C'est un film qui est vraiment le portrait de Monique Pétral. Et en même temps, c'est impossible de faire le portrait de Monique Pétral sans montrer à quel point elle a été influencée par Lascaux. Lascaux a été pour elle une expérience fulgurante dans sa vie. Et c'était impossible de la présenter sans présenter Lascaux aussi. Et donc toute la difficulté du film, c'était ça. C'était de faire un portrait de Monique en parlant de Lascaux sans que ce soit un film sur Lascaux. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi les hommes préhistoriques ont décidé de peindre sur les murs d'une grotte. D'après vous, est-ce qu'on peut les considérer comme artistes? Est-ce qu'ils étaient conscients de faire une œuvre d'art? Je veux bien donner mon impression et mon opinion là-dessus, et tout en précisant que je ne suis pas spécialiste d'art préhistorique. Les personnes qui ont peint les animaux de Lascaux étaient des artistes, c'est sûr et certain. On imagine, enfin, les premières personnes qui ont vu ces images pensaient que peut-être les hommes historiques voulaient représenter des scènes de chasse. Mais là, non, parce qu'il n'y a même pas de armes. Il n'y a pas de harpons, il n'y a pas de chasseurs et il n'y a pas d'animaux blessés. Et puis, on sait aussi qu'ils n'ont pas vécu dans la grotte. Ce n'était pas un lieu de vie. C'était un lieu où les gens se rendaient pour peindre. Aucune artiste ne peut les regarder sans être impressionnée. Thank you.